Bonjour à tous. Alors, je suis ici chez Ikekoi avec bonjour Emma. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Avec Mickaël. Salut Patrick. Alors, bon, on a fait une petite séance photo ici. Petite. Bon, quand même. Quand même quelques poissons, quand même. Bon, bah écoute, on vient pas sur deux poissons. Hein. On a fait un peu plus de 350 pièces. Bon, il y en a encore qui doivent rentrer. Donc tout ne sera pas disponible sur Internet, hein, je pense. Non, pas tout de suite. On va vous garder le suspense pour la porte ouverte. Et après, on publiera au fur et à mesure le temps qu'on puisse tout traiter, parce qu'il y a un petit peu de monde quand même. Bon, voilà. Bon, on sera à plus de 500 pièces. Hein, puis voilà. Oui, voilà. C'est à peu près ça. Donc, il y a de quoi faire. Il y a du choix. Il y a des grosses pièces aussi. Oui, il y a pas mal de poissons, 70, 80 et plus, à des prix fort intéressants, je pense, pour les gens qui veulent se faire plaisir d'avoir une belle pièce dans le bassin, ça peut valoir le coup. Bah oui, exactement, il y a des choses intéressantes à un prix vraiment à tout casser. Exactement. Donc à un prix de crise, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, c'est la prime Ikekoi. Bon, la prime Ikekoi, si on veut, hein, ou bien la prime de guerre. Ouais, ou la prime écologique. Ou la prime écologique, bon, bah si écoute, si on veut. Ouais, si on veut. Hein, voilà. Ouais, on peut. Alors, rien d'autre comme nouveauté ici chez Ikekoi ? Comme nouveauté, ma foi... Poissons surtout. Ouais, c'est surtout les poissons là maintenant. Après, je ne vois pas là comme ça. Bah écoute, il y a quand même les poissons du Japon qui vont rentrer. Alors, bah oui, c'est sûr. Alors un petit mot de ton voyage. Le voyage, c'était incroyable. C'était très concentré, on va dire, parce que je suis resté à peu près 8 jours sur place, mais on n'en a pas perdu une miette. Bon, ça valait le coup. Ah ouais, franchement, c'est incroyable, incroyable. J'ai jamais vu autant de poissons de ma vie. Ah bah écoute, on va pas faire une histoire pour trois poissons non plus. Ouais. T'as eu l'occasion de voir un petit coichot là ? Oui, j'ai vu un petit coichot en début de montagne, dans le nord, d'une trentaine d'éleveurs, on va dire. Mais c'était déjà joli, donc j'ai vu une coacou de 4 15 ça fait plaisir. Écoute, on n'avait jamais vu donc. Bah voilà, 95. Mais pour ça valait le coup d'y aller. Ça commence à parler, hein. Ouais, c'est clair. C'est pas évident. Ouais. Alors bon, toi, tu n'as pas pu y aller avec. Et non, ah. Bébé oblige. Et voilà, ça sera pour la prochaine. Oh oui, avec joie. Ah. Et puis, vous allez me faire un plaisir. Hein. Ouais. Bon, moi j'ai été beaucoup de fois au Japon, comme vous le savez, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire de reportage l'ancienne capitale. Ok. Donc il y a le temple d'or et tout ça, puis bon, j'espère que vous ferez ce déplacement-là. Bah, c'est vrai que j'aimerais bien allier les deux, quoi. Aller là-bas et puis aussi découvrir vraiment la culture et la beauté, les autres beautés du Japon aussi. Bon, la culture dans la région de Nagaoka, etc., bon, ce sera plutôt la culture du riz. Oui, c'est ça. Oui, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je pense que c'est pas cette culture-là que tu parles. Non, voilà. Après, c'est tellement magnifique en termes de paysage, d'architecture, toute la végétation, ça vend du rêve quand même. Bon, ben écoute, moi, ce que je vous dis, venez découvrir le rêve ici, hein, voilà. Il y a des portes ouvertes. Alors les portes ouvertes, c'est le week-end prochain, donc le samedi et le dimanche. Vous pouvez venir à partir de 9h jusqu'à 18h30. Et puis on a la tante de Mickaël qui va nous préparer un repas chaud donc qui est offert pour vous. Vous êtes bienvenus au moment du déjeuner et puis voilà, qu'on puisse partager notre passion tous ensemble. Ça nous fait plaisir. Eh ben voilà, donc le 3 et le 4. C'est ça. Bon, elle l'a pas précisé. Oui, 3 et 4, week-end prochain, samedi, dimanche. Ben voilà, donc week-end prochain, nous serons le 3 et le 4 décembre. Hein. Ouais. Bon, pour le préciser tout à fait, hein, tant qu'à faire. Hein, puis moi, je vous dis merde pour ces journées portes ouvertes. Moi, je vous dis, venez faire le plein de rêves ici chez Ikekoi.
Et puis bon bah voilà, et puis encore des chantiers aussi. Oui. Oui, oui, les chantiers, bah, pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt avec la pluviométrie, si je puis dire. Mais oui, il y a des chantiers à venir au printemps et plein d'autres choses. Honnêtement, c'est génial. Bon, bon, vous savez que moi, je suis toujours ici avec Françoise, hein, qui est avec nous. Hein, mais on a dit, tiens, finalement, on vient souvent dans la Dombes, oui. Hein, mais on n'a jamais l'occasion de visiter. Alors, vous nous permettrez de prêter le lit que vous nous prêtez. Ah, bah, avec plaisir. Hein, puis qu'on restera 2-3 jours en plus pour visiter la région. Ouais, ouais, c'est vraiment sympa. Il y a des belles choses à faire. Il y a le parc des oiseaux, il y a une super cathédrale, et après juste se balader comme ça dans la campagne. Et surtout la gastronomie, parce qu'on a plein de petites bonnes adresses là si vous êtes fin gourmet, pour vous remplir le ventre. Bon, ben écoute, fin gourmet, je le suis devenu par la force des choses, mais bon, avant j'étais un gros gourmet. Ouais, voilà. Bon, ben on rappelle, le 3 et 4 décembre, chez Ikekoi, ouais. On rappelle peut-être l'adresse ? Oui, on est à Saint-André-sur-Vieux-Jonc, c'est à côté de Bourg-en-Bresse, une heure de Lyon, 15 minutes de Bourg, et donc c'est au 303 chemin du Petit Chalet, vous nous trouvez facilement sur Google normalement, vous rentrez Ikekoi dans le GPS et vous venez jusqu'à nous. Exactement, ben moi il me reste à dire, ben, si vous venez ici chez Ikekoi, surtout ne soyez pas sages. Allez, à bientôt. Merci à tous. Merci. Salut. Faire par variété, ou on sort ce qui vient. Non, on fait par variété. Par variété, hein, c'est mieux. Ça aussi, tu les connais par cœur. Non. Et tu serais capable de me dire qu'on l'a fait ou on l'a pas fait. Ouais, non. Par variété, c'est mieux. C'est mieux. Thank you.
Bonjour Mickaël. Salut, on est parti pour une séance photo. On est parti pour un petit marathon, ouais. Ouais, ouais. 300 à faire. Ouais, à peu près 300 pièces, hein. Petits et gros. Petits et gros. Bon, bah écoute, ça va aller. Ouais. Hein. On a déjà pas de pluie, on a un petit peu de brouillard pour nous accompagner, mais on n'a pas de pluie. Bon, et ton voyage au Japon? Ah, c'était fantastique. Ouais. Ah ouais. À refaire. Ah oui. Dès que je peux, j'y retourne. Ouais. Bon, t'as appris plein de choses là maintenant. Ouais. On a vu beaucoup de poissons, on a vu beaucoup de gens, on a vu beaucoup d'étangs, on a vu et appris beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est toujours un rêve de partir là-bas. Ouais. Hein? Ah ouais. C'est une bonne motivation, mais une fois qu'on est là-bas, le trajet est déjà oublié. Ah bah, t'as connu le 7-Eleven? Oui. Oui, oui. Très très magasin, c'est incroyable d'ailleurs. Ah, ouais. Donc, ils ont de tout, du frais tout le temps et pas cher. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a pu casser la croûte vraiment comme on voulait, c'était vraiment bien. Allez. Ouais. Bon, tu es devenu un adepte du ramen. Oui, oui, oui. Bouillant. Ouais, ouais. Bon, faire de la soupe à 400 degrés sans que ça fume, c'est quand même extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, puis il faut savoir qu'on enlève ses chaussures quand on arrive au restaurant là-bas. Ouais. Donc au début ça fait un peu bizarre, mais au final on s'adapte en une demi-journée. Ah bah voilà. Voilà. Bon ben restez avec nous, on va filmer un peu les poissons et ouais. Puis ce sera une belle aventure. Oh oui, ouais ouais. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.